Comment faire savoir qui vous êtes? Comment capable de faire monde connaît bien qui est ce moyen? Nous trouvons-nous donc très souvent des situations côté le monde a suivi nous. Satan a suivi nous. Et souvent, la bande tête lui, qui est intelligent? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un messie, un nouveau messie que bon Dieu voyait? Parce que pas mettre dans la tête, non, et que ni ennemi, ni tout le monde nous rencontrait, et on connaît exactement qui est-ce nous. Et des fois, même nous-mêmes, nous ne sommes pas sûrs au départ qui est véritable identité, non. Il y en a nous qui pas voulait croire que nous sommes des choisis de Dieu. Il y en a nous qui pensaient que par le fait que nous aimons la prière, c'est juste la prière, que nous aimons la prière. Il y en a nous qui ne rendent nos comptes. Et que, mais c'est la main de Dieu qui est sur nous-mêmes. C'est par la main divine qui déjà choisit nous, qui est tiré depuis notre moment, nous, pour une mission bien précise qui cause que nous remet la prière autant, nous remet les démons autant, nous remet les conseils autant. Il y a aussi des bagailles qui passent dans nous-mêmes, pas j'en prends, juste comme un simple bagaille comme cela, au hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Donc, pour tout ça qui arrive, il y a une raison qui fait arriver. Et le plus souvent, il y a une raison divine, une raison spirituelle qui fait arriver. Donc, votre identité est d'abord est à découvrir, mais ensuite, il est à propager et à partager. Donc, quand vous êtes vraiment un serviteur de Dieu, lorsque c'est vraiment au monde que bon Dieu touche, que bon Dieu guérit, que bon Dieu prend et puis limite son route pour faire travail pâle, il est important pour le monde-là qu'on ait bien qui est-ce. Oui. Donc, la première chose pour toujours faire, lorsque le monde là comprenne et connaît qui est souillé, il faut arrêter de faire les choses merveilleuses. Arrêter de faire les choses merveilleuses. Arrêter de faire des miracles. Arrêter de faire des choses extraordinaires. Parce que si vous continuellement faites des choses extraordinaires, le monde prend donc pour un tiroir, pour au côté vous êtes capable de tirer, vous êtes capable de râler, chaque fois que vous gagnez des bagages que vous avez besoin. Donc le monde va vous utiliser. Et si le monde vous utilise, vous là uniquement pour capable fait ça yo-même yo vle ya. Pour aller la mission pa yo, pour aller selon plan pa yo. Et non pas, ou encore non plus selon le plan de Dieu. Donc ceci doit être important pour vous tous. Quand vous voulez vraiment, vraiment avancer dans le plan de Dieu, pas à continuellement faire des bagailles, waouh, dans les yeux tout le monde. Pas construire un cahier, waouh, pas faire des phrases, waouh, prendre des habillements, waouh, et aider les gens de façon, waouh, non, arrêtez, arrêtez, ne vous faites pas prendre dans cette sirène, dans ce piège, c'est un piège. Donc, à partir du moment où vous êtes une personne, waouh, vous faites le jeu de ceux qui vous flattent. Par contre, si un peu de nous songer, et fable de La Fontaine qui relaie le corbeau et le renard. Et à la fin de cette fable, et La Fontaine a enseigné nous donc que, et m'a cité lui, est au flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Donc, dès que vous entrez dans une dimension, ou à faire gros affaires, ou à faire des bagages extraordinaires, des choses merveilleuses, guérison, etc., tout bagage va réaliser, ou à faire des grandes prières. À partir de ce moment, vous venez à un point, moun qui a marché avec vous, il pourra tellement faire des compliments, il a tellement marché pour venir prendre ça, même il a besoin, hein? Ou pas jamais arriver à faire ensemble avec vous, ça, bon Dieu, voulait pour vous. Ou prendre un piège, et ou prendre un piège ennemi, hein, ou prendre un piège diable, à tout. Parce que souvent, le monde là, il connaît qui ça le voulait, mais il pas nécessairement connaît qui ça le besoin.
C'est un coup de timon. Yo, I want this, I want this, I want this. Je veux ceci, je veux cela. Mais qui ça vraiment qui est bon pour vous? De quoi vraiment avez-vous besoin? C'est pour question que souvent le monde est capable de répondre. Voilà pourquoi donc, l'heure où le monde la prend sans, pour qu'il focus sur ou même qui type de monde est, qui ça bon Dieu voulait pour vous-même à travers vous-même, qui type de message que bon Dieu voulait lancer à vous-même à travers vous-même, l'on besoin de tout ça, faites, vous devez arrêter ou encore stopper de faire des choses merveilleuses. Ne vous mettez jamais dans la dimension de faiseur de miracles. Il y a des fois que vous même capturez le ougan, capturez le magicien, capturez le hein, capturez le mambo, s'ils sont furieux, parce que comprenez capturez le médecin feuille. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est là uniquement pour faire des choses merveilleuses. Ou par une boîte, ou bien un livre côté, mon Dieu a fait. Donc, regardez bien ça qui passe dans l'évangile. Et selon Saint Matthieu, chapitre 9, là, il dit, il vient chercher Jésus, il porte par Jésus au monsieur qui est paralysé. Eh bien, Jésus-Christ, au départ, il n'a pas guéri maladie. Il allait la question nom avec mon nom plutôt. Il dit, mon nom qui plein péché, eh bien, je dis, il connaît que péché ou pardonné. Parce que c'est ça qui est priorité, mettre là. Mettre la venue pour sauver le monde en bas tout péché, lui. Mais pas là pour l'avenir, à marcher, faire guérison sous la terre. Les bons l'hôpital, les bons docteurs, capable de fonder l'hôpital. Sinon, ils ont marché, fonder l'hôpital de tous côtés. Et ça fait nous-mêmes, nous pas capables à réduire tête nous en question de faire du social à gauche, à droite. Si Jésus-Christ, essayez d'imaginer nous, si Jésus-Christ c'est guérison, à marcher, fait de tous côtés. Mais le venir de l'hôpital, tout Jésus-Christ pas relevant encore. Jésus-Christ pas campé soigner. Puisqu'il tout simplement t'a supplié avec un manque qui est gagné dans la société. Or, le plan de Dieu, ce n'est pas un plan pour nous uniquement vivre sur la terre, réaliser des choses sur la terre, c'est un plan pour nous capables de monter et à la vivre avec lui dans les cieux. Donc, si le plan de Dieu, c'est que nous-mêmes, avec moi, nous allons réjouir avec lui dans le ciel, donc à partir de ce moment, il n'y a pas qu'à en venir pour lui uniquement à parler des choses sociales, des choses de la terre. Donc, ou même tout, vous n'avez pas une mission, ou même non plus, ou pas une mission uniquement pour soulager les problèmes de la terre. Ou là, pour montrer mon route pour y aller dans le ciel là. Donc, ceci doit être clair pour vous tous. Donc, cessez, arrêtez de continuellement et demander des miracles, des guérisons, ou bien résoudre problèmes matériels que mon gagne. Le jour où on a une capacité pour résoudre le problème matériel, ou pas relevant encore. Donc, nous n'avons pas un Dieu tiroir qui essaie de résoudre les problèmes de la vie. Dieu est beaucoup plus que ça. Et puis d'ailleurs, en attendant, alors pour Jésus-Christ, tu as pris la flagellation, le couronnement d'épines. Jésus-Christ a pris le crucifiement sur la croix et au battu pour être capable de résoudre le problème que moi avoir gagné sous la terre. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin de mourir sur la croix pour aider nous résoudre le problème, non. Il y a beaucoup plus que ça derrière la passion. Il y a beaucoup plus que ça derrière Pâques, derrière sa mort. Donc, à nous de comprendre que dès le départ, nous n'avons pas qu'à réduire tête, nous n'avons pas qu'à réduire ministère, nous n'avons question de faire guérison, faire miracle, prier pour guérison, prier pour miracle. Nous ne pouvons pas réduire notre ministère à ça parce que notre objectif, notre objectif fondamental, c'est pas ça, c'est le ciel de préférence. Donc, il doit être clair pour nous. Pour montrer qui vous êtes, il faut premièrement cesser, arrêter avec cette multiplication de miracles, de guérison ou encore de prières pour les guérisons, prières pour les miracles. La prière doit venir tourner, il y a un paix quotidien. Il lui fait partie de la vie monde et non uniquement au moment pour nous présenter des demandes. Pourquoi? Comme si à chaque prière que nous avons fait, comme si vraiment, mes amis, il faut un miracle, il faut un message, est-elle ou guérie, est-elle ou tel problème? Nous ne pouvons pas réduire la prière à une question de résoudre les problèmes. La prière doit faire partie de votre vie.
Ou ta doué un monde qui passe en tout bien, non, sous le voile, ou le voile matin, on sautit sans prier. Ou ta doué mal dormi, oui, si ou entre à soya, et puis envoie ou al coucher son par la prière. Parce que la prière doit faire partie de votre quotidien. La prière, c'est pas mon routine encore venir, il vient en source d'oxygène pour nan mon capable de respirer. Donc, de ce fait, quel que soit son rapport, tu dois prier. Donc, nous pas qu'à réduire la prière à une question de résoudre les problèmes. Comme moi, j'ai un problème là, bon, prier. Bon, et l'homme pas un problème là, pas besoin de prier encore. Si l'homme a prié, ou chaque fois m'a prié, c'est uniquement pour qu'on résoudre tel problème que m'y ait. Donc, premier point qui peut aider au fait, monde la connaît qui est souillé, pour monde la connaît. Quand ou là, avec qui ça, li en a fait, il faut cesser de réduire votre ministère à une question de résoudre les problèmes. Mettez-moi dans la prière, mettez-moi dans la présence de Dieu, car notre véritable objectif, c'est le ciel. Ça nous voulait faire, quand nous voulait aller, ça nous voulait résoudre vraiment, c'est arriver la caille, bon Dieu. Donc, puisque notre objectif, c'est le ciel, alors à partir de là, donc, on nous apprend, mettez-nous dans la présence, bon Dieu, et mettez tout le monde dans la présence, bon Dieu, priez ensemble pour nous qu'on connexion avec l'Esprit par là, quand même, vers le ciel. Donc, premièrement, n'oubliez pas, pour que le monde sache que ou pas uniquement là, pour venir faire un ministère de résoudre les problèmes, arrêtez avec continuellement, c'est les choses merveilleuses, c'est les guérisons miraculeuses, et ça seulement nous-mêmes nous là pour nous faire. Non, stoppez, pareil ça, et priez tout temps plutôt. Priez en tout temps, en toutes circonstances. Parce que notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le ciel. On nous prend un deuxième point maintenant. Le deuxième point, c'est donc apprendre à vivre dans l'ordinaire du quotidien. Le chrétien doit apprendre à s'identifier dans l'ordinaire de la vie. Il doit faire de tête li un monde ordinaire qui gagne dans la vie, dans le quotidien. Le chrétien n'est pas un extraterrestre. C'est un monde même que nous tous, mais qui fait effort, qui quitte la foi agir, qui quitte connexion à bon Dieu agir, et c'est ça qui fait différence là. Mais le chrétien ne doit jamais, jamais, jamais se présenter comme un monde que on ne par contre côté le sorti, il essaye une sorte d'engendrer, non pas créer. Donc remarquez dans ce qui se fait de chaque jour. Votre parole donc doit prendre du poids et de la valeur dans l'ordinaire du quotidien. Donc une parole de Dieu doit être forte dans l'ordinaire du quotidien. D'un coup, ou pas besoin à faire sément, à faire banal pour on bagaille quoi dit pour capable faire mon quoi que c'est ça. Dans la manière la plus normale que possible, dans l'ordinaire du quotidien, vous dites ce que vous avez à dire. Comprenez. Un enfant de Dieu doit apprendre à se présenter de manière simple et ordinaire dans la vie de chaque jour. Là. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, et que votre parole de foi soit parole de foi, que votre parole de vérité soit parole de vérité. Que quand vous prononcez une formule de bénédiction, que ce soit une formule de bénédiction, ou prononcez dans toute simplicité, ou vous avez dit le plus fort, ou vous avez relé le abdil, pour tout le monde dire, ah, ça c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, je le dis, dans l'ordinaireté de la vie. Sans pour autant remplir avec un bon maquillage. Mettez-le dans un bon bouquet, enveloppez-le avec un bon papier cadeau. Ceci n'est pas important, ceci n'est pas nécessaire. Apprenez à vivre votre foi dans l'ordinaire du quotidien. Identifiez-vous par cet ordinaire du quotidien. Vous connaissez un bel bagage dans notre travail et pour gagner oui ou non. Vous connaissez un bel bagage dans nos relations amoureuses, relations maritales, relations sponsales et puis vous gagnez oui ou non. Vous avez fait de mon avis suspect ou mon absite, mon avis ou des potes. Vous avez tout bagage comme ça.
Parce que, aussi simple que ça, vous savez que vous êtes béni, vous proclamez votre bénédiction et puis vous avancez, vous marchez dans votre bénédiction. Vous connaissez, de la manière la plus simple, quel que soit sa monde qui a fait derrière, quel que soit sa monde qui a dit sous, vous connaissez pas qu'à atteindre, parce que la bénédiction de Dieu, c'est la main de Dieu sur vous. Vous avancez avec toute simplicité. Regardez la simplicité des hommes de science. Regardez la simplicité de monde qui travaille d'une envie et puis qui rêve très loin. Ouais, c'est des mondes qui sont très simples. Ils ont compris que ça qui fait grandeur tout bon vrai, hein, il est obligé de sortir en dehors de cet ordinaire du quotidien. Donc, si nous vraiment, bon Dieu qui crée ici à l'acteur, nous n'avons pas besoin de faire une démonstration pour montrer que lui là. L'aura n'est pas nécessairement besoin de gronder dans le ciel-là. À travers vous, qui avancez dans le caractère ordinaire du quotidien, côté pour moi, pour que bon Dieu est là, moi, pour que bon Dieu est là. Et je vous le dis, aussi simple que ça, avancez, mon Dieu, la font pas qu'être barré dehors, on n'est pas qu'à rentrer sous, sans qu'on soit obligé habiller avec un gros maillot qui marquait un bon verset là-dedans, sans qu'on soit obligé de marcher avec 10 croix en cours, sans que vous n'ayez pas besoin de gagner 50 bagues, ou pas besoin de chercher protection dans un bon sacramento comme ça. Aussi simple que ça, aussi ordinaire que ça, on bonne parole magique capable de répéter derrière, et puis il n'y a pas aucun effet. Le plus simplement du monde, il retourne à côté où il était sorti. Parce que le monde doit connaître que bon Dieu a habité dans nous-mêmes. Ou que bon Dieu a nous font seul. Donc ce n'est pas bagla, ce n'est pas chapelet, ce n'est pas croix là, ce n'est pas scapulaire là, ce n'est pas médaille là. Bon Dieu nan ou nan bon Dieu. Pendant nous pour personne a perdu la prêche là soya. Nan enseignement soya n'a essayé montrer que pour monde là ka connaît qui est ou yé, c'est nan ordinaire de chaque jour là. Mon a besoin de présence bon Dieu nan sa rap fait de plus simple là. Nan jour a fait travail ou. Mon nan doit sentir différence là, doit ouais différence là. Mettre chauffeur taxi ou a fait. Li mettre infirmière ou yé. Li mettre quelque chose soit fait dans la vie là. Cette dimension divine en vous, elle doit transparaître là-dedans, donc dans l'ordinaire du quotidien, sans pour autant, faut que son gros bagaille qui fait, faut que ses mains ont à le poser sur malade la guérie qui pour cause que tout le monde kawe ou son petit bon Dieu. Mais, nan menti qu'on pas baille chaque jour, yo kawe le tout. Nan gentil qu'on gentil à tout le monde, yo kawe le tout. Nan il faut qu'on fait. Pour capable au monde qui souhaite qui soit qui de bien tout monde qui bon côté il y a pour elle tout ou pas casser uniquement dans l'église là il faut pas qu'elle bonne gros prière et pourtant tout monde pongongon pour tout monde qui vivre bon côté yo ça n'aurait aucun sens. Donc identifiez-vous dans l'ordinaire du quotidien. Donc le monde doit connaître qui tu es dans ce que vous faites. Pour nous tous ensemble, dans sa nappe fait ensemble chaque jour. Donc le monde se dit, tu es un enfant de Dieu dans ta manière de te comporter dans cet ordinaire du quotidien, de tous les jours, hein, de chaque jour, etc. Donc tant pis, ce frère, apprends nous qu'on est, nous pas obligés à faire des choses extraordinaires pour le monde qu'on est, mais dans ça que nous baille, de manière simple, la façon que nous vivons dans le quotidien, le monde doit connaître qui est nous. Il y a une moralité, par exemple, que vous devez développer dans l'ordinaire du quotidien. Il y a des plaisirs, ou pas qu'à apprendre. Aussi simple que ça, oui, mes amis. Il n'est pas compliqué. Pour moi, je connais qui est souillé. Moi, c'est une petite bagaille très simple. Pendant que y a fête là, chaque jour là, mon a doué, ouais. Différence là qui n'a ou même entre comportement moun qui n'a bon Dieu, comportement moun qui pas n'a bon Dieu. Il y a des blagues qui ont fait dans le travail là. C'est une blague là déjà, oui, pour moun n'a qui est ou y est. Il y a des lunch n'a pas. Il y a des moun n'a pas de gâteau ou kobe ou kopan ou gon 5 dollars gâteau non j'ai bali pour aider. C'est dans l'ordinaire du quotidien pour moun n'a vu n'a découvrir qui est intelier et tel son petit bon Dieu
et est-elle ou bien est-elle li pa un vrai serviteur bon Dieu ou bien bon Dieu pas nan li Jean il t'a fait comprendre. Donc vous devez apprendre à vous identifier dans l'ordinaire du quotidien. Pas nécessairement dans les œuvres merveilleuses et extraordinaires. Troisièmement. Le ou vivre avec de trois monde bon côté, le ou fonctionner avec quelques monde. Pas en caserner action uniquement avec monde qui a la foi, monde qui connaît bon Dieu, monde qui monte dans l'église, etc. Second bien ou faire, on peut obliger à faire bien uniquement monde qui est dans l'église. N'exigez pas la foi pour agir. Parce que le monde a doué qu'on est. Et que bon Dieu qui n'en ouan, l'y dépassé race, l'y dépassé langue, l'y dépassé nationalité, l'y dépassé appartenance religieuse, l'y dépassé tout bagaille. Le bon Dieu, vous les yeux, l'y gade, l'y ouen nous toutes, ces petites lits qui sous terre. Donc ça l'a fait, elle fait pour nous. Il fait soleil à lever, il fait la pluie tomber. Bon Dieu, dépassé toute forme d'identification sectorielle. Eh bien, à vous également de faire ce dépassement. Donc, n'exigez pas la foi, forcément. N'exigez pas une identification particulière pour agir. Si vous êtes séparé, vous pouvez aller à Haïti, par exemple, vous pouvez aller faire don. Pas du pouvoir le faire don uniquement pour les gens qui sont catholiques dans l'église catholique. Pas du pouvoir le faire don uniquement. Si vous le faire don pour les gens qui sont dans le besoin, faites pour tout le monde qui est dans le besoin. Donc, n'exigez pas la foi pour agir. Et je vous le dis sincèrement. Si vous dites attendre, c'est les gens qui ont la foi seulement pour le guérir, les gens qui ont la foi seulement pour le bénir. Ça ne m'y parle pas. Ben, pas grand pile monde, donc tu as béni. Parce que la foi nous tout reward. La foi nous pire fort reward. Mon qui a la foi qui dit mieux, c'est de toi moun seulement. Donc, Dieu ne limite pas uniquement ses actions, uniquement à celui qui agit sa foi. Excusez-moi. Bon Dieu, action que l'a fait, li pas, ton, c'est mon qui a la foi seulement pour le faire pour lui. Les grands moun. Les puissants, que dis-je, les tout puissants, sont les capables d'agir à n'importe monde que le davle. Et puisque la page est à n'importe monde que le davle, c'est ça qui va le montrer que une puissance, un dépassement là. Donc, ou même avec moi, nous pas qu'à confiner action nous, nous pas qu'à limiter tête nous uniquement à deux trois monde qui est dans l'église là, à monde qui a prié seulement. Qu'est-ce que nous contrer là? Mon est malade, même si mon n'est pas gagné la foi, ou qu'à kembe mais nous fait mes yeux, même si vous pas disant rien, ou prier dans fond cœur, ou faire l'imposition les mains sans le parent ni contre lui. Sans que ce n'est pas forcément un monde qui peut demander ou prier pour moi. Donc n'oubliez pas, n'exigez pas la foi, n'exigez pas une appartenance religieuse quelconque pour qu'à agir dans le sens spirituel avec quiconque. Priez à n'importe qui monde. Posez les mains sur n'importe qui monde. Invoquez guérison céleste. Ce n'est pas qui monde. Sans forcément que ce n'est pas monde qui porte l'église. Donc, ça va permettre au monde de découvrir qui vous êtes. Donc, laisse-moi reprendre pour nous toutes. Comment est-ce capable de faire pour me connaître qui est-ce? Pour me faire monde la connaître qui est-ce moi? Premièrement, il ne faut pas abandonner ou bien adonner totalement à une question de faire miracle, faire miracle, faire miracle, faire miracle. Ne devenons pas des faiseurs de miracles. Parce que, pour paquet de façon, bon Dieu capable, bon Dieu voulait, pour lui agir à travers nous-mêmes. Deuxièmement, apprendre à identifier de manière simple, de manière ordinaire, dans l'ordinaire du quotidien. Apprendre à agir dans l'ordinaire du quotidien. Parce que parole, loi, identité, les puissances, ça n'en lit déjà. Donc, ce n'est pas avec ça, on va pas entourer, ce n'est pas papier qui doit mettre là-dedans, ce n'est pas maquillage, on va balayer, qui prend le bal puissance. On parle qui est forte. Ou pas obligé de dire avec force, non? Ou pas obligé de réler bien fort pour dire, non? Gon j'en de pour dire. Parole là, les mêmes, pour qu'on parle, de pour dire parole là. Pour la gâte, on est toute puissance là-dedans. Si on a dit, on bagaille pour dire oui ou bien pour dire non. Ou pas obligé de réler pour dire oui ou bien réler pour dire non. Qui peut le faire oui, ah oui, qui peut le faire non, non, non. De pour dire non. Non, c'est non. Apprenez à vous identifier dans l'ordinaire du quotidien. Pas obligé à faire baillot grossi. Troisièmement, pas oublier,
n'exigez pas la foi forcément pour un bagage avancer, pour un bagage réaliser. Pas fait bagage, conseil de bien fait, pas forcément réaliser parce que c'est mon l'église. C'est mon l'église seulement à faire, c'est pas mon souci seulement à faire, mon qui pas mon souci pas faire pour yo. Non. Quand vous agissez, pour quel que soit mon lien qui a un problème, non? Avec bon Dieu par là, on est capable de prier et puis on est capable de régler. Donc, n'exigez pas uniquement de faire votre ministère uniquement avec les croyants. N'exigez pas la foi pour faire votre ministère. Vous avez un travail là. Vous avez un médicament. Il pourrait souffrir en pile. Vous avez un médicament, vous faites mes yeux et puis vous la priez. Ou bien dans son cœur, ou quand tu as invoqué sous lui, esprit de guérison, esprit bon Dieu qui va descendre. Hein? Donc, ne confinez pas, ne limitez pas la puissance de Dieu en vous et le salut monde à connaître. Aïe, 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 et tel, moi, là, ouais, tel, ouais, là, vraiment. Il y a une puissance, bon Dieu, dans lui, il y a une force, bon Dieu, dans lui. Là, le monde va savoir qui vous êtes. Et le monde doit toujours savoir quand vous êtes là, avec qui ils ont affaire. Toujours font façon. Faut monde la connaître qui est souillé. Il faut le connaître. Que vous c'est un petit bon Dieu. Et mais qui j'ai un petit bon Dieu vive. Mais qui j'ai un petit bon Dieu comporté. Mais qui j'ai un petit bon Dieu agi. Avec quel que soit monde. Bon Dieu mettez bon côté. Que cette parole de Dieu vous aide à grandir. Que cet enseignement vous aide à mieux vous identifier dans le monde. Et n'espérez vraiment que enseignement ça. Il pourra le permettre que quel que soit mon ou bien pour rencontrer, pour nous connaître, qu'avec vous-même, il est capable de faire une expérience, bon Dieu, tout bon vrai. Qu'il en soit ainsi pour vous tous, en nous baisser tête, nous, en nous fermer les yeux, nous, et nous tous ensemble, en nous la prier, bon Dieu, ensemble. Dieu éternel est tout puissant. Nous faisons chaque compliment pour nous et nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour faveur. Merci pour bonté, merci pour bénédiction. Oui, bon Dieu. Ou t'es passé avec force, ou t'es passé avec puissance. Et grâce à vous-même, nous arrivons à découvrir tout bon vrai qui est souillé pour nous et qui s'est ouvert pour nous dans la vie de chaque jour. Seigneur, pas jamais quitter nous timides pour nous le cacher comme nous, pour nous dire pas ouais, que c'est vous-même qui a l'œuvre dans nous-mêmes. Mais bon Dieu, continue à aider nous, ouais, que ça doit être fait en toute simplicité, en toute humilité, dans l'ordinaire du quotidien, sans tralala, sans frioriture, sans maquillage. T'as pris, bon Dieu, il est nous avancer, simplement janouillé. Mais t'as pris, bon Dieu, aider un pile monde transformé, l'œil capable vini, pour yo prier ensemble avec nous, pour yo autour de nous-mêmes. Seigneur, guéris, bénis, sanctifiez un pile monde, qui, à travers nous-mêmes, à travers le ministère, nous, pour le connaître et découvrir qui est souillé. Nous prions, on a nos Jésus petit tout, qui est et qui est avec nous, avec cet esprit, je vous dis à demain, et pour tout le cap bien temps, Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'était vraiment avec un peu de joie. Nous t'es content pour nous célébrer parole avec aujourd'hui. D'après rendez-vous avec vous pour nous capables de continuer. Laissez la foi nous grandir ensemble et laissez parole, bon Dieu, ben, la vie nous sens ensemble. Que nous fassions avec Jésus et pas jamais oublier. Parole, bon Dieu, non ou même son guide. Son lumière pour capable pour faire route ciel. Bonne soirée tout le monde. Bonne journée. Bon après-midi. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse. Bye bye. Comme un souffle fragile, comme un oiseau blessé, je me tourne vers toi, tout petit dans ma peur.
comme le pauvre sans abri, comme l'enfant dans le noir. Je recherche ta main, mon soutien, mon espoir dans la nuit. Dans la nuit de mes jours, que m'éclaire ta lumière. Dans le froid de ma vie, que me réchauffe tes paroles. Dans le silence du midi, que résonnent mes prières. Sur mon cœur encore triste, une larme du Christ. Dans ma lourde solitude, dans ce vide qui me boit, j'implore ton secours pour mon âme pitié. Sous le poids de mes fautes, la souffrance de moi, ton pardon allège tout et je me sens léger. Mais mon Dieu, que suis-je donc, minuscule créature, orbe de peu de foi, je recherche ta voix. Tu es le Dieu d'amour, Dieu miséricordieux. Tu me combles d'amour, gloire au plus haut des cieux.